Le boxeur, quand il est sur le ring, il n'y a plus rien après. On est dans une ligne de conduite où il faut y aller, quoi. C'est difficilement explicable. Tu vois défiler les choses, hein. Parce que pendant que le combat est en route, tu vois défiler les entraînements, la préparation, le mental, tout ce qui a été fait en amont, les hauts et les bas, les blessures, la gestion de sa vie privée, l'investissement, etc., etc. Ça va, sur le ring, ça va se traduire. Il va tout placer. Et donc je l'applique. Point, pied. Point, pied. Et bien sûr, je recherche, selon mon niveau, la complexité et donc la diversité. C'est pas chacun son tour, c'est pendant, après, je garde le thème. D'accord? C'est une entrée point-pied, c'est un contre-point-pied, c'est une attaque point-pied, c'est tout ça. Distance. On gère tout ça. Allez, on y va. On essaie de faire des choses intelligentes. Des choses complexes, et on peut aussi multiplier les coups et accélérer les attaques. Othman, avec Ilham. La boxe française est extrêmement éducative. Elle a des sens et des valeurs qui sont énormes. Coup à l'effort, envie d'apprentissage, envie de réussite, une manière de respecter l'autre, etc. Donc une discipline qui est dure, un travail physique qui est terrible. Les jeunes, je pense que dans en globalité, ont cette envie, quand ils viennent dans une salle de combat, de voir où ils en sont, comment ils en sont. Ils aiment peut-être la discipline, mais ils se disent à un moment donné, tiens, dans l'affrontement, comment je serai? Comment je gérerai? Je voudrais apprendre un petit peu à combattre. Mais combattre quoi? Peut-être qu'il a besoin de se combattre lui-même. Peut-être qu'il a besoin de se voir dans un miroir et de se dire « Tiens, comment je serai dans une opposition ?» La boxe, on a besoin d'une paire de gants et on monte sur un ring. Et c'est quelque chose qui, je pense, qui va jamais se démoder. La boxe, maintenant, on est un peu, c'est les gladiateurs des temps modernes. Hein. C'est vraiment, on rentre, mais... quand on sait qu'on peut frapper de toute notre force quelqu'un qui est en face de nous et que lui peut nous frapper de toutes ses forces, ben voilà, ça, c'est un ressenti qui est difficile. Et des fois, on se dit, pourquoi on fait ça? Pourquoi on est là? Qu'est-ce que tu te pèses comme ça? Attends. Mais je mets de la vitalité sur ton poids, Marwan, comme ça. 76, 75, 9. Alors, mets-toi en condition, regarde le poids vraiment. Aïe, parti. Qu'est-ce que t'as fait? T'as déconné, on va t'as déconné. En plus, dernier jour, est-ce que tu peses? Oh, pardon, c'est pas lui qui va peser à midi. Hein? Pourtant, il pèse rien. 75,6. Ça va? Ça va, je mange rien ce soir, rien demain matin. Je vais peser à la demain 10h. Ah, mais que t'as rien. Tu déconnes. Pas parce qu'il y a la caméra, je m'en tape, tu vois, je te le dis. T'es un clown. Mais les fêtes. T'inquiète pas, mes amis. Bien aller, comme ça, c'est pas besoin d'y aller, mais ça, c'est pour faire demi-tour, ils vont payer le déplacement pour les... Comment perdre 1 kg en un jour? La réponse, demain, à 10h. Ouais, Hakim. Et tu viens, tu fais quoi, là? Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est même pas une question, il faut faire les courses. Moi, pas plus d'une heure, 8h30, moi je dégage d'ici. Hein. Bah, si on se lève à 5h du mat, tu crois quoi, Hakim? Tu rigoles ou quoi? Bah, non, mais le hello, il faut le faire bouger aussi. Bah, lui, de toute façon, lui, je vais le monter sur le tapis, il a rien à faire. Il va monter sur le tapis, de toute façon, il fera rien du tout. Bah, viens, comme ça, tu bouges un petit peu quand même au sac. Mais dépêche-toi. Hey!